épisode 11 dans Darksiders 3, on se retrouve juste après avoir éliminé le Grog. Alors c'était pas l'un des 7 péchés capitaux, d'ailleurs j'ai l'impression qu'il m'en reste plus qu'un à battre, mais à un moment donné qu'on lui court après. S'agripper entre et grimper. J'ai l'impression qu'on va pouvoir accéder là-haut. Donc, je suis pas sûr que je vais pouvoir monter. Ouais, non, ça passe pas. Je pense qu'il faut même mobiliser le. Mais je fais trop tôt, ouais. Là, faut pas se louper par contre, hein. Sinon, on finit en pâté pour chat. Ça arrive juste au-dessus de ma tête. Regarde là-bas, tu ressens ça? Ces vibrations, cette puissance qui en émane. Non, mais je ne suis pas douée pour ressentir ces choses. Toutefois, je vous conseille vivement. Pourquoi? Pour être franche avec vous. Ce qui bouillonne là-dedans ne concerne en rien votre mission. Intéressant. Bordel. Thank you.
tempête. Je mets un terme à ça maintenant. Ouais. Ça serait cool, hein. Félicitations pour votre victoire, maîtresse. J'espère que cela valait la peine de tout risquer. Tu as entendu ça? Je n'ai entendu que vos cris et le râle d'un monstre mourant. Peut-être. Ou peut-être que l'univers est infiniment plus mystérieux que je ne l'aurais imaginé. Qu'est-ce que cela veut dire, maîtresse? Je déteste la philosophie. On a une belle arène ici. Des fois, le système de guidage est particulier. Hein. On est en sécurité pour l'instant. Mais tu serais franchement idiote de croire que ce qui nous attend sera facile. Vous êtes prête à redescendre dans l'arène pour affronter la colère, maîtresse? Ce sera la deuxième et dernière fois. Je lui dois une correction dont il se souviendra longtemps. Si on affronte quelqu'un qu'on a déjà affronté. Que l'apocalypse nous ferait passer tant de temps dans des ascenseurs. Es-tu vraiment obligé de noyer chaque silence dans des bavardages? Suggérez-vous que la grande furie n'apprécie pas le plaisir de ma compagnie? Plaisir n'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit. Vous me blessez, maîtresse. Ma foi n'a-t-elle pas été votre guide durant cette mission? Je l'avoue, tu n'es pas complètement inutile. Vous me flattez, maîtresse. Ne t'y habitue pas. On dirait une terrible bataille. Ce qui veut dire qu'on va se ruer dessus tête baissée. Vous commencez à comprendre. Je crois dans Mad Max. Colère.
J'ai seulement conscience de ta merveilleuse beauté. Surtout lorsque tu es enfoui. Dans une autre réalité, j'aurais pu t'aimer, Fury. Son truc là. Merci pour ton aide. Regardez, sans parler. Comme quoi, on aura toutes les deux appris quelque chose à nous séparer. Le reste, hein. Déplacer, on va essayer de se rapprocher un maximum du futur. Je t'en prie, prends ton temps. Finalement, c'est dans le secteur sud qu'on va aller.
d'un endroit, tu vois. La confiance te sert à venir. Lorsque je l'ai gagnée, oui. Tu es fière. Vois-tu, je n'ai jamais compris pourquoi l'orgueil était considéré comme un péché mortel. Ce pouvoir que tu ressens maintenant, après avoir accompli une tâche ardue, ne te sens-tu pas puissante? Tu t'es montrée très prometteuse. Tu as fait un travail incroyable. Ne mérites-tu pas quelque chose pour cela? Peut-être, mais pas de ta part. Avant que tu ne commettes une erreur tragique, j'aimerais te faire une offre. Tu as vu le monde. Tu as vu l'état dans lequel il est. Tu es assez intelligente pour savoir que quelqu'un, quelque part, t'a menti. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas d'équilibre. Tout ça n'est que des mensonges. Mais imagine que ce soit vrai. Imagine que toi et moi décidions vraiment de donner à ce monde un sens, un ordre. N'est-ce pas votre but véritable? Nous pourrions être la force d'équilibre que mérite le monde. Nous pourrions être la grandeur. À une époque, ce discours aurait pu me faire de l'effet. Mais c'était quand je ne comprenais pas à quel point l'orgueil pouvait être hideux. Merci pour ta généreuse offre, mais si ce monde doit être réparé, ce ne sera pas par l'une de nous deux. C'est nous deux l'orgueil. On a un bouclier de protection. Ça y est, il est pété. Attention. Il retourne. Ce n'est guère de faire performance de place. Non. Pas pressé non plus, là. Deuxième étape. Ne sera comparable à ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as dit? Qui crois-tu être pour oser essayer de me battre? D'accord, c'est moi. Cela m'attriste de te voir sur le sol. Je vais être le premier à te dire ce soir. Sauf qu'il est pas loin là. Dégagé. Parle-moi du conseil. Tes soi-disant maîtres ont été contaminés par l'orgueil. Ils ne servent aucun équilibre. Selon toi, qui a libéré les sept de notre geôle? Qui pouvons-nous bien servir maintenant que l'humanité ne peut plus être corrompue? Ose me dire que mes paroles ne te semblent pas vraies. Tu ne crois tout de même pas pouvoir nier l'orgueil qui demeure toujours en toi? Assez de flatteries vides. Je t'écoute. Dis-moi tout.
Tu sais déjà tout, maîtresse. La sublime ironie de cet instant est que pour une fois, ton ennemi a raison. Tu devrais ressentir de la fierté, mais tu ne ressens que de la peur. La peur d'avoir touché la grandeur du bout des doigts pour finalement échouer. Tu vois, ton conseil te trahit. Puissante. Guetteuse. Toujours si jolie. J'étais jalouse de toi autrefois, ma sœur. L'envie. Non. C'est au boss de Mortal Kombat, lui. Oui. Tout était vrai. Oui, absolument tout. Comme j'en vis ton ignorance. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Tu sais ce que je t'envie d'autre? Pouvoir! Et grâce à l'intérieur que tu es, ce pouvoir est à moi! L'orgueil l'avait bien. Le Conseil Ardent a tendu un piège. Ils veulent tous nous voir morts. Les sept péchés capitaux et les cavaliers. Non. Mais moi, je savais mieux. La jalousie sans la jalousie. J'ai pris la forme d'un serviteur de confiance, et toi, cavalier, tu es devenu à la fois mon glaive et mon bouclier. Maintenant que les autres péchés ont été anéantis, je vais détruire le Conseil Ardent une fois pour toutes! Alors seulement, la Terre sera enfin mienne! L'orgueil précède la chute! C'est un peu abrupt, mais le message est clair!